أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان، الجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربنا علمنا ما ينفعنا، وأنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا، وجعلنا للمتقين إماما، ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاحق ولكم الويل مما تصفون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زحوقا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن, إن الله لا يصلح عمل المفسدين وما هم بضارين بي من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله الله. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا يفلح الساحر حيث أتى فإن تولوا فقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جديد الزوج Uh, 20, um, 20 octobre 2024, nous sommes à quelques semaines de la fin de l'année 2024 qui est passée tellement vite, tellement vite. Et uh, c'est déplorable de voir qu'encore une autre année s'achève sans qu'on ait pu obtenir uh, tout ce que nous souhaitions. car cela nous tienne, uh, nous sommes quand même sur une très bonne voie pour obtenir ce que nous voulons. Et c'est uh, notre souhait. Et que nous puissions terminer cette année euh, dans de bonnes santé parce qu'il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Nous avons perdu beaucoup de personnes au cours euh, de cette année 2024. Euh, beaucoup sont ceux-là qui étaient avec nous euh, à la même période l'an passé, mais qui ne sont malheureusement pas parmi nous. Nous prions Dieu que leurs âmes soient acceptées au paradis et que nous qui sommes restés qui nous permettent de continuer euh, les œuvres ou les travaux que c'est euh, que nous avions avec euh, ces personnes. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler et vous allez encore le comprendre davantage dans ce live là. Comme j'ai dit ou comme nous avions promis, aujourd'hui nous allons avoir deux lives. Le premier live ça va être en français. Euh, ensuite euh, nous allons sans pas retarder couper le live pour aller encore dans un deuxième live qui sera exclusivement en français qu'est ce que nous allons traiter dans ce premier live vous avez dit vous avez vu un détail change tout qu'est ce que ça veut dire pourquoi un détail change tout comparativement à l'énoncé que nous avons fait où nous avons dit c'est quoi la différence entre nos produits et ceux de nos concurrents c'est quoi la différence vous allez comprendre dans ce live là Qu'est-ce qui fait la différence ou qu'est-ce qui fait la particularité de ce que nous faisons La particularité de ce que nous faisons, c'est que nous nous référons et nous nous repérons. Pourquoi Parce que l'oubli est humain. Et puisque l'oubli est humain, il y a des failles qui peuvent arriver tout simplement parce que certaines personnes n'ont pas porté attention à des détails. Ce sont ces détails-là que nous allons relever. Quels sont ces détails C'est justement faire aujourd'hui un parallèle entre ce qui s'est passé en Centrafrique, il y a quelques... Décennies et ce qui est en train de se passer en Guinée. Pourquoi nous allons faire ça C'est pour montrer et faire un parallèle entre Bokassa, qui était euh, l'un des présidents qui est allé jusqu'à s'octroyer le titre d'empereur en Centrafrique, ça c'était il y a plusieurs décennies, et ce qu'aujourd'hui Mamadi Doumboué est en train de faire par la complicité comme son prédécesseur, comme celui, euh, son. son euh, euh, la personne avec laquelle nous allons lui faire la comparaison, donc Bokassa, avec la complicité de la France à l'époque qui avait soutenu, c'était sous le magistère d'un certain, euh, euh, j'essaie d'avoir le nom tout à l'heure, j'ai un petit blanc. Euh, Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, c'était lui le président à l'époque. Mais avant d'être président, quels étaient les liens entre lui et Jean-Pierre Bocassa Nous allons parler de ça. Et vous allez trouver curieusement qu'il y a des similitudes entre les deux personnes, bien que ce soit des époques complètement différentes, bien que ce soit dans des euh, circonstances complètement différentes. Mais finalement, la finalité et ce qui est en train de se passer, vous allez être ahuri, vous allez être stupéfait et vous allez être inquiet de constater que malgré les années, la France n'a rien appris de ses erreurs et c'est la même chose qui est en train de se passer en Guinée. Donc gardez très bien votre position d'écoute et prêtez très bien les détails parce qu'aujourd'hui, ce ne sont que les grandes lignes que nous allons vous donner pour ne pas se perdre. Donc la constitution ou le, la, la, la division de notre live, il sera de quatre parties. Euh, la première partie, nous allons effectivement parler de cet agent français de la France depuis.. L'indépendance, donc plus particulièrement sous le régime de, de, de Lansana Conté. Quel est cet agent Quel est le rôle qu'il avait joué Cet agent français, euh, secret français, qui est aujourd'hui au sein de l'administration et qui aujourd'hui l'un des membres du CNRD, et non des moindres. Quel est cet agent Comment il est entré Et quel est le rôle qu'il avait joué pendant les transitions La transition du CN, CNDD, mais aujourd'hui, cette transition du CNRD, vous allez comprendre. Pourquoi le bas blesse et pourquoi nous sommes dans cette situation. Donc, parler de cet agent, ça va être l'introduction. Ensuite, parler des de, de, de similitudes entre, les, euh, entre Louis Bakossa et, et Mamadi Doumbouya. Ensuite, pour finir, nous allons parler des narcotrafiquants et ce qui, justement, a constitué aujourd'hui ce que nous sommes en train de voir comme dérive dans le pays et pourquoi il y a actuellement, et ça va être dans les divers, ça va être la quatrième partie dans ces divers-là. Pourquoi actuellement il y a une mission des DEA qui est en train de séjourner en Afrique de l'Ouest et pourquoi il y a encore une autre délégation pour toujours essayer le retour autour de la Gente, autour de cette nébuleuse, pour régler à la fois trois problèmes le problème de la mauvaise gouvernance, le problème de l'insécurité, mais également le problème de narcotrafic qui est en train aujourd'hui de prendre une certaine ampleur, qui prend aujourd'hui en train de prendre une certaine euh, proportion. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement le gouvernement français, je parle du nouveau gouvernement français, est en train de vouloir combattre l'insécurité en Europe, plus particulièrement en France. Et pour combattre cette insécurité, ils vont, ils ont un secteur en particulier, c'est celui des narcos, c'est celui des trafiquants de drogue. Et aujourd'hui, curieusement, ils sont en de mèche avec un régime qui était un régime trafiquant de drogue. Mais qu'est-ce qui explique que malgré leur volonté en Afrique d'afficher une certaine volonté de combattre ces narcotrafiquants, ils sont en train toujours de s'accoquiner avec ce régime de narcotrafiquants Qui sont ces narcotrafiquants Quelles sont les preuves du trafic qu'ils sont en train de faire Et pourquoi la France est en train de fermer les yeux sur ce qu'elle est en train de dire, combattre euh, publiquement, mais en même temps, elle est en train d'avoir ses liens. Pourquoi l'histoire, justement le Jean-Bédel-Bocassa, c'est pour vous montrer que ce n'est pas une première. Ils avaient fait ça au temps de Jean-Bédel-Bocassa et ils sont en train de rééditer, de vouloir rééditer ça et nous n'allons pas le permettre. Donc, ce live-là, il est tellement intéressant, comme j'ai dit. Aujourd'hui, ce sont les grandes lignes que nous allons donner. Les détails, soit vous, par curiosité, vous pouvez aller faire vos recherches en attendant à travers les noms et les dates que nous allons vous donner sur la chronologie ou bien attendre nos prochains lives où nous viendrons plus en détail sur ce qui s'est passé. Gardez cette position d'écoute. Et toujours dans les divers, nous allons vous parler également de ce que certains Guinéens sont en train de faire à l'étranger pour développer ce qu'ils ont appelé l'esprit CNRB. Qu'est-ce que c'est que l'esprit CNRD? Quelle est cette manipulation que le CNRD est en train de faire selon les discours, que ce soit la mission de Dansa, que ce soit la mission de Baouri? Qu'est-ce qu'ils sont en train de miroiter aux gens qui sont dans la diaspora concernant ce projet Simandou? Et vous allez voir là aussi une coïncidence ou bien une similitude entre l'uranium qui avait été découvert au, au, en Centrafrique. Quel était l'impact mondial ou géostratégique à l'époque de ce tyrannium là par rapport justement aux deux puissances qui s'entrechoquaient, se, qui donc le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, comme c'est le cas présentement Quelle est justement aujourd'hui l'implication ou bien l'effet de ces gisements de, 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 de fer découvert au niveau du mont, du mont, du, 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 du mont Simandou Qu'est-ce que justement cela est en train d'impacter sur le jugement et la position réelle de ces puissances étrangères qui se voient obligées, comme j'ai dit, malgré le trafic, pour certains, de fermer les yeux, malgré les violations de droits de, droit de l'homme, de fermer les yeux, sauf à l'exception de quelques-unes qui, comme à l'époque aussi de, du temps de Jean beder Bokassa, qui avaient décidé mordicus, ou de, être, de rester droit dans leur bonne pour combattre l'injustice, d'où qu'elle soit. C'est le cas présentement des États-Unis qui ont décidé, malgré tout, de rester fidèles à leurs promesses, à leurs valeurs, de combattre cette injustice, de combattre l'insécurité et de combattre le trafic. Comme j'ai dit, il y a cette mission actuellement en Afrique de l'Ouest qui est en train de faire sa tournée pour épingler le CNRD. Mais puisque ben là, vous allez avoir les détails, comme j'ai dit, il ne faudrait pas du tout vous laisser saliver. L'essentiel, c'est d'aller. Donc, gardez votre position d'écoute par rapport à ce que nous allons dire et les détails comptent. donc. Gardez très bien focus sur ce que nous sommes en train de dire parce qu'aujourd'hui ce ne sont que les grandes lignes mais ces grandes lignes sont à prendre justement avec beaucoup d'attention avec beaucoup d'intérêt mais aussi tirer profit parce que il y a dedans un détail qui pourra aider à faire changer les choses mais dans le sens de plus positif comme j'ai dit il est très regrettable aujourd'hui. Je prie Dieu d'abord de me permettre d'être sage dans ce que je suis en train de dire, de me permettre de dire, de me permettre de délivrer ce message afin que vous qui êtes en train de suivre, vous les bénéficiaires, que vous pouvez en tirer profit et comprendre que le néocolonialisme existe encore, je dirais même que la colonisation n'a jamais cessé. Il n'y a, il, il a eu qu'une certaine chimère qui a été vendue aux Africains pour les faire croire qu'ils sont indépendants ou qu'on leur a donné l'indépendance, mais dans les faits, ce n'est pas vrai. Pourquoi Parce que justement, pour commencer notre live, nous allons vous parler d'une personne. Cette personne s'appelle Abubakar Sidiki Di Idi C'est un camarade. Et ce Abubakar Sidiki Di il a joué un rôle et continue de jouer un rôle, malheureusement très négatif, dans l'indépendance de la Guinée. Pourquoi? agent, était militaire, un gendarme pour être plus précis, et qui avait qui a d'abord comme formation initiale d'agronome. C'est un agronome de formation, donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'activité qu'il est en train de mener aujourd'hui. D'aucuns diront que l'armée, c'est tout le monde. L'armée, c'est on peut avoir dans l'armée tous les corps de métier. C'est vrai. Sauf qu'à l'époque, après l'indépendance, donc dans les années 58, les premiers fonctionnaires ou les premiers à aller à l'école étaient destinés le plus souvent à aller dans des secteurs qui étaient des secteurs prioritaires pour l'État. Lui, dans son cas, puisque la Guinée avait opté pour cette économie euh, conservatrice, cette, cette, ce régime économique de, 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 de socialisme, avait voulu se lancer dans l'agriculture. Donc, lui, il fait partie de ces premiers Guinéens qui ont bénéficié de l'école à l'époque et qui étaient agronomes de formation. Jusqu'ici, ça va. Sauf que ce monsieur, pour des, pour des raisons X ou Y que nous ne pouvons pas pour ne pas que le live soit long, décide d'embrasser à l'époque l'armée. Et l'armée, comme j'ai dit, puisque la Guinée, avait après avoir obtenu son indépendance, était en train de tout faire pour que ce soit un pays normal. Donc, la formation militaire était obligatoire et ce monsieur-là, lui, il embrasse à l'époque ce qu'on appelait la gendarmerie. Sauf que avec un détail très important, il est rentré comme gendarme et en sa qualité d'agent de, de, euh, à l'époque qui avait été orienté euh, dans les chiffres, ce qu'ils appelaient les chiffres. C'est la réalité, c'est ce service de renseignement. Ce service de renseignement, puisque c'était justement la France qui formait la plupart de ces soldats, lui, euh, Idi Amin, et d'ailleurs, le choix de se de soupriquer, Idi Amin, vous connaissez tous, c'est qui ce Idi Amin Idi Amin, c'était ce chef d'État ougandais qui avait régné sur une main de fer sur son pays et qui est mort dans des circonstances que vous tous vous connaissez. On dira, à Kutian, je te qu'il est, le choix de ce métier, ce qui n'est pas un modèle en matière de démocratie. On dit, dit déjà quelque chose sur l'état d'âme et sur la personnalité de la personne euh, pour la, euh, sur laquelle nous sommes en train de parler. Donc ce monsieur-là, agronome de formation, décide de rentrer dans la gendarmerie et choisit un secteur en particulier qui est celui de l'école de la guerre. Mais secrètement, avec la France, il décide d'avoir une formation particulière qui est la formation des chiffres. La formation appelée à l'époque les chiffres, c'est une formation, c'était le code qui était donné à ceux-là qui devait décortiquer, qui devait connaître en fait les déplacements, avoir des renseignements pour les fournir au pays ou bien à leur hiérarchie. Sauf que lui, dans son cas, il a opté d'être ce agent double. Il a opté d'être justement cet agent qui a décidé, parce que la France a été chassée de la Guinée d'une manière prématurée, d'une manière brusque, c'était l'affront contre cette puissance à l'époque qui n'a pas voulu pardonner à la Guinée et qui décide d'avoir alors des agents à l'intérieur pour les former. Pourquoi c'est important avant de venir sur ce parallélisme? de forme ou bien sur ce parallèle que nous allons faire entre cette Centrafrique et la Guinée, c'est important qu'on commence par ce monsieur-là et le rôle qu'il est en train de jouer. Donc ce monsieur-là, la formation militaire qu'il avait, donc quand nous parlons des militaires, là c'est des paramilitaires, donc la gendarmerie, ça fait partie des militaires, donc lui il choisit d'appartenir à ce corps qui doit fournir des renseignements à son pays. Sauf que... La formation pour laquelle il a été envoyé en France, il va au-delà et il loue un, un partenariat avec la France pour donner des renseignements à la France euh, au compte du poste qu'il allait occuper. Il vient en Guinée, à l'époque c'était le général Lansana Conté, il gravit les échelons jusqu'à obtenir ce poste-là et ce poste-là, et ce rôle c'était en fait de sauvegarder son pays. Mais au lieu de sauvegarder son pays, ce que lui il était en train de faire, c'était de vendre des renseignements à l'époque à la France. Et vous connaissez très bien. Le, la, le climat entre l le général Lansana a peu à son âme et la France à l'époque, c'était des relations de Méli-Mélo. Au début, c'était très bien parce que ces couturiers étaient considérés comme l'ennemi de la France, entre guillemets. Et quand il y a eu ce libéralisme avec l'arrivée du CMRN, donc le comité militaire de redressement national, les relations sont devenues moins tendues. Donc, il y a eu une ouverture du pays avec. Uh, la lib le libéralisme, mais aussi avec uh, la libéralisation de, 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 de certains secteurs d'activité, mais aussi uh, les prisonniers qui étaient dans les prisons ont été libérés. Donc, cette ouverture a permis à ce qu'il y ait des rapports moins tendus entre la Guinée et la, la France. Sauf que, comme j'ai dit, euh, le général Lansana Conté n'étant pas entièrement un, un instruit, qui est plus un militaire, avait eu confiance à certains, et dans cette confiance-là, il a eu confiance à certains, à Didier qui occupait un poste que, sur lequel nous n'allons pas beaucoup parler ici. Sauf que, qu ce qui est important, c'est que ce poste qu'il occupait, il était en train de rendre en même temps compte à, sa, à ses employeurs, donc à cette uh, organisation au niveau de la gendarmerie française, à qui il de donner des comptes, jusqu'à ce que, un jour, le général Lansana-Corte s'est rendu compte du rôle nocif que ce monsieur était en train de jouer. Jusque-là, quand il s'est rendu compte, les méfaits et tout ce qu'il était en train de faire de nuisible contre son pays s'est retourné finalement contre lui. Le président, le général lansana corté plutôt que de radier cet agent ou bien de, la, de, de, de le mettre en prison ou de l'opinion, décide tout simplement, de par son intelligence, de dire. Puisque désormais nous connaissons c'est quoi ce verre qui est entré dans la pomme, nous allons l'utiliser et plutôt qu'il donne des renseignements fiables à son hiérarchie ou bien à ses employeurs, nous allons profiter de lui pour qu'il donne des, mauvaises des mauvais renseignements. À la France. Voilà comment le général Lansana Conté a pu, par exemple, déjouer certains complots contre lui, y compris un complot que vous avez suivi à un moment donné, qui était organisé du côté de la France, et les images que vous les avez souvent suivies. Ce n'était pas le seul. Le plus souvent, on voulait déstabiliser ce monsieur, mais qui était en même temps aussi un rempart contre la rébellion à l'époque. Vous savez que dans les années 90, c'était l'époque des coups d'État, après l'époque des rébellions plutôt, après l'époque des coups d'État. Dans les années 60-70, ce hein, fut l'époque des, euh, des rébellions. Donc dans les années 90, c'était la rébellion libérienne, c'était la rébellion euh, léonaise et, et ainsi de suite. Donc la Guinée qui était au milieu de pays instables, il fallait quand même trouver un moyen euh, de ne pas permettre à ces rebelles à l'époque de propager ce qu'ils faisaient à l'époque comme déstabilisation ou euh, instabilité dans la sous-région. Donc en même temps, si vous vous rappelez, des présidents et non des moindres avaient visité la Guinée et, euh, et lorsque, justement, lui et l'ansana conté étaient fréquentés par ces personnes, malgré euh, malgré la situation dans laquelle vivaient les Guinéens, il y avait donc cette 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 cette, cette balance que les 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 occidentaux faisaient sur lui. En même temps, l'avoir de plus près, mais en même temps aussi ne va pas avoir de problèmes avec lui. Vous connaissez, vous, vous rappelez très bien que les réfugiés étaient venaient en masse en Guinée, que ce soit ceux venus de, de la Sierra Leone, du Liberia et les pays voisins. Et puis juste après, il y a eu aussi l'instabilité du côté de de la Côte d'Ivoire, où là aussi il y a eu des 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 déplacements massif d'Ivoiriens sur les, les sols voisins. Donc la Guinée aussi n'a pas échappé à cela. Pourquoi nous sommes en train de vous donner ça C'est pour vous dire que lui, Idi Amin, a résumé, pendant le règne de M. Lansana Conté, il était en train de jouer un rôle, mais qui était connu par les autorités guinéennes et donc qui avait moins de méfaits. Paf, qu'est-ce qui arrive en 2008 Le président général Lansana Conté décède. Le CNDD, le CNDD vient au pouvoir. Quand le CNDD est venu au pouvoir, lui, Idi Amin, à l'époque, qui avait un euh, rang moindre par rapport à celui qu'il était en train d'occuper, il vient euh, justement comme euh, membre du CNDD. Sauf qu'à l'époque, puisque c'était un ethno, et ça aussi, il faut le, le mentionner de la personne, c'était un ethno, à l'époque, qu'est-ce qu'il avait dit à, à, cette, à cette gente militaire où il était le plus agi parmi eux, parce que c'était les Sékouba, c'était les, les fadigas, c'était les shérifs, c'était les Sékouba les, 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 les Konaté et j'en passe, donc lui qui était le plus agi à l'époque, qu'est-ce qu'il avait dit à ses, à ses frères d'armes Une transition ne doit pas du tout dépasser en, donc douze mois, tout au plus. Ça lui avait valu ce que ça lui avait valu, et pour certaines personnes, c'était le démocrate parmi eux, c'était le plus instruit, c'était le plus rangé parmi eux. Pourquoi Vous allez comprendre tout à l'heure un détail que nous avons sauté c'est que vers la fin du règne de Lansana Comté, qui était affaibli euh, à la fois sur le plan politique, sur le plan économique, mais surtout sur le plan de sa santé, était euh, très, euh, très diminué. Donc, il y a eu ces mafias de de, de 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 trafiquants de drogue et à l'époque la, la Guinée-Bissau aussi subissait cette instabilité politique mais aussi c'était une plaque tournante de la drogue. La Guinée voisine, à la Guinée-Bissau, n'a pas échappé à cela. Et si vous vous rappelez le procès de justement des narcotrafiquants importants du CNDD, mais avant cela vous avez vu ce qui s'était passé et ça c'est extrêmement important de, de 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 noter ce détail. La, la drogue qui est, est comme, euh, comme pas possible sur la Guinée, ou des, des aéronefs euh, atterrissés sur des aéroports euh, guinéens, que ce soit du côté de Bouquet, que ce soit du côté de Farana, que ce soit du côté de, de Conakry même. Parlant justement de Farana, lui, Idiamine, il est originaire de Farana. C'est un euh, dialonquet c'est pas fortuit, ce que nous sommes en train de donner là comme détail, c'est parce qu'à l'époque, un certain général Kelefa, qui était le chef, dernier chef d'état-major de l'armée de justement général Lansana Conté, qui est le père en même temps d'un certain Amara, aujourd'hui membre du CNDD, qui occupe une place et non des moindres, leur secrétaire à la présidence de Mamadi Doumbouya. à l'époque, lui, Étant plus jeune, son père était le chef d'état-major, mais lorsque le CNDD est venu au pouvoir, après qu'il y ait eu ces escarmouches entre la police et la gendarmerie, et quand nous parlons de ces escarmouches entre la police et la gendarmerie, vous vous rappelez très bien, quand le CNDD est venu, les premières mesures qu'ils ont faites, c'était de mettre main sur la plupart des trafiquants. La plupart de ces trafiquants, vous vous rappelez d'un certain Kalo, vous vous rappelez d'un certain Mara, vous vous rappelez même du fils du général Lansana Conté, un certain OC avait été épinglé. Vous avez vu à l'époque les images où il s'expliquait, il disait qu'il fait partie, et il le dit face caméra, qu'il faisait, qu faisait le trafic de drogue, mais qu'il n'était pas le parrain contrairement à ce qu'on disait. Pourquoi nous sommes en train de vous dire ça C'est parce que dans ce live-là, vous devez connaître certains détails qu'ils ont fait que la transition est en train de boiter, mais aussi pourquoi il y a eu organisation de ce procès le 28 septembre. Est-ce que c'était la pression internationale et est-ce que c'était une bonne volonté de la part de l'agent d'organiser ou bien c'était un règlement de compte Et dans ce live-là, vous allez comprendre, avant de venir à la responsabilité française, quel est le règlement de compte que le CNRD est en train de faire sur certains dignitaires du CNDD. Pourquoi ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la bonne gestion du, 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 du pays. Pourquoi aujourd'hui le, 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 le colonel Claude Pivy a été épinglé par rapport à ce dossier du 28 septembre Pourquoi il a pris la fuite Pourquoi il a été de nouveau ramené à la maison centrale Pourquoi le, 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 le Bienvenu Lama et tous les autres, en un mot, pourquoi des officiers forestiers aujourd'hui sont la cible de, de la justice, mais aussi d'arrestations comme ce qui s'est passé hier au niveau de Kaloum, c'est uh, remis Ménage où certains étaient sur le viseur. Pourquoi cela? Il est extrêmement important qu'on insiste sur ce qui s'est passé au temps du général lansan la fin de son règne, mais aussi pendant l'OCNDD. Donc, rappelez-vous qu'il y avait eu cette quantité importante de drogue que la police avait prise et à vous rappeler que la police avait un problème avec la gendarmerie c'est que la plupart des équipements qu'on amenait pour la gendarmerie étaient détournés par la police qui était le chouchou à l'époque du régime. Pourquoi? Parce que c'était les narcos qui étaient en connivence avec les policiers qui étaient en train d'avoir la plupart des moyens parce qu'ils avaient des mains plus longues, ils avaient des bras plus longs. Donc, quand le CNR, CNDD est venu au pouvoir, la première des mesures qu'ils ont faites, si vous vous rappelez, c'était de retirer la gestion de la police de l'air, de la police, pour la confier à la gendarmerie. Pourquoi? C'est parce que la police était trempée jusqu'à la moelle. Elle était dans des affaires tellement louches. Elle était en fait. Embrigadée, elle était en fait infestée par ces trafiquants de drogue qui étaient justement jusqu'à un niveau euh, très élevé. Voilà pourquoi un article avait même parlé d'état narco. On parlait de la Guinée-Bissau, mais ce n'était pas aussi, euh, la Guinée n'était pas aussi à l'abri de cela avec euh, le général Lansana-Conté qui était affaibli. à très bien ces détails que nous sommes en train de donner. Donc lui, Claude Pivy avec son armée à l'époque, appartenant au Bata, qui avait fait une descente au niveau de, de au niveau du siège de la CNS, donc la compagnie mobile d'intervention et de la sécurité. Quand ils sont venus là, les images encore existent. Quand ils sont venus dire, mais ils sont kilotés là. Et puis, il y a eu des tirs où il y a eu certains agents qui ont rendu l'âme, qui ont été tout simplement éliminés. Ils ont récupéré la quantité de drogue qu'ils ont déposé à l'époque. Et ça, c'était vers la fin du général Lansana-Conte, son règne. À l'époque, le CNDD n'était pas venu. Et quand il y a eu ce décès du général Lansana Conté et que le CNDD a pris le pouvoir, leur, leur priorité a été justement de s'attaquer à ces narcotrafiquants. C'est là où ils ont eu la malheur, le malheur justement d'arrêter certains dignitaires qui sont les parents de, des dignitaires d'aujourd'hui. Donc, pour faire simple, ce qui est le, le dossier du 28 septembre n'a été que règlement de compte parce que certaines personnes qui avaient vu leurs parents humiliés. À l'époque, à la télé, qui ont vu leurs parents ou certaines activités que leurs parents faisaient stopper et Net, Voilà, ces personnes-là ont décidé de se venger. Maintenant, pour revenir à lui, Idi Amin, pourquoi il avait décidé que la position qu'il adopte soit une position d'une durée ne dépassant pas 12 mois pour la transition C'est pour trois raisons. La première des raisons, c'était un agent français et vous connaissez très bien les relations à un moment donné entre la France et le capitaine Moussa Dadis Camara, qui était toujours à côté tiré entre lui et à l'époque celui qu'on appelait Bernard Kouchner. Bernard Kouchner, devenu plus tard, son ami, bon, pas plus tard, et c'est toujours l'ami, c'était, l'ami de monsieur Alpha Condé, et vous vous rappelez les, les passes d'armes entre le capitaine Moussa Dadis Kamara et la France, qui à, à laquelle d'ailleurs il avait dit que la Guinée n'est pas un arrondissement de la France. Donc, lui, l'agent secret, parce qu'il faut, c'est important d'insister sur le rôle qu'il avait joué, avait reçu la consigne qui était la position de la France que cette transition ne dure pas longtemps qu'elle soit que que retour à l'ordre constitutionnel soit organisé pour que à l'époque puisque la France voulait soutenir son candidat qui était à l'époque monsieur Alpha Condé parce que la France voulait avoir monsieur Alpha Condé au pouvoir au détriment de tout ce qui allait donc les gens du RPG qui m'excusent de ces détails que je suis en train de donner mais vous allez comprendre à la fin pourquoi nous sommes en train de parler en même temps de cette Centrafrique, parce que vous allez voir que la même chose qui a été faite au niveau de cette Ant Centrafrique a été faite aussi également à Guinée, et c'est où la note d'espoir. Vous allez suivre le direct, donc soyez patient. Pendant ce temps, nous avons déjà fait 29 minutes. Donc, je, ré, je reviens encore sur la suite. C'est que la France qui voulait qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel, qui attendait impatiemment le décès, justement, du général Lansana Conté, pour qu'il y, qu y ait ces élections, parce que vers la fin... La Guinée et la France, ce n'était pas du tout ça. Et lui, justement, Idi Amin était en train de jouer ce rôle d'agent double qui informait la France, parce que comme j'ai dit, on lui donnait des informations erronées et qui donnaient à la France, donc à un moment donné la france d'ailleurs s'était désintéressée à lui estimant que les informations qu'il donnait n'étaient pas du tout des informations fiables mais il a quand même continué à jouer son rôle d'agent double jusqu'à ce qu'il y ait justement cette transition où il espérait avoir une bonne position mais les gens qui connaissaient le rôle qu'il jouait ne lui ont pas donné d'importance de, de, ne lui ont pas confié, confié un poste de responsabilité pire il a eu des altercations jusqu'à ce que justement il ait été battu il a été mis en prison, ce qui explique sa mâchoire. Si vous regardez très bien le visage du monsieur, vous regardez la bouche qu'il a au niveau de la mâchoire. Il a parfois du mal même à ouvrir la bouche Bayama. Il ne peut pas le faire parce que. Lors des altercations, il avait subi des, des violences physiques qui ont fait que les, un coup avait, euh, avait désarçonné sa mâchoire. Donc, il a fallu qu'il soit évacué du côté de la, de, du Maroc pour qu'une chirurgie lui, a, lui soit faite pour qu'il puisse retrouver euh, l'usage de sa, de, de, sa, de sa mâchoire convenablement. Donc, cette, cela, cette violence qu'il avait subie, il ne l'a pas oubliée. Donc, c'est vous dire combien de fois c'est une canaille. Combien de fois, c'est ce, comme il l'a dit, c'est quelqu'un qui a une réputation d'être un, euh, d'ailleurs, c'est quoi le terme qu'il avait euh, utilisé quand il parlait de lui, quand il a dit que lorsqu'un militaire désobéit, on ne dit pas qu'on, on, on dit qu'on le prépare à aller rencontrer son seigneur. Ça, c'est la philosophie qu'il a, ça, c'est Adam, ça, c'est, 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 en fait, c'est la mentalité de ce monsieur depuis toujours, et donc, ceux qui le connaissent, on vu à lui, justement, une personne qu'il fallait, justement, mettre hors d'état de nuire. Mais puisque le capitaine Dadis, à l'époque, c'est du CNRD, c'est pas tout le monde qui était violent. Certains, voilà, sale caractère. Merci beaucoup, BHK, bah, BHK Balde, il a la réputation de sale caractère d'être cet individu qui qui qui, qui 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 élimine de façon très aisée ses, ses, ses collaborateurs. Donc à l'époque, le CNRD l'avait très bien malmené, C'était très bien occupé de lui jusqu'à ce que sa marche ait été cassée. Et n'oublie pas ça à ceux qui lui avaient fait subir justement ce souplice. Mais c'est pour vous dire combien de fois cet individu avait subi la prison à l'époque, il a fallu l'arriver de général Sekouba Konate pour que la situation commence à se détendre un peu. Il n'est pas revenu parce qu'il était toujours convalescent, mais lorsque monsieur Alpha Condé est venu, monsieur Alpha Condé voulant se débarrasser de certains individus qui avaient joué un rôle négatif l'empêchant de venir au pouvoir depuis pendant tout ce temps, et il avait fait ce qu'il avait fait et donc il a fait ramener lui, monsieur, au niveau du service des renseignements. Donc lui, il Idiamine. Après avoir fait son parcours, il revient au niveau du secrétariat du ministère de la Défense comme secrétaire général du ministère de la Défense. Et c'est lui, figurez-vous, dans sa manipulation, parce qu'il a toujours eu des ambitions de coup d'État. Depuis le temps du général Lansana Conté, il voulait faire un coup d'État contre le général Lansana Conté. Depuis le temps de Dadis, il voulait former un coup d'État. Ce que les militaires ont compris, ils l'ont mis, mis hors d'état de nuire. Pendant aussi qu'il était convalescent euh, au temps de, de général Sekouba Konate, bien qu'il sache que le général Sekouba Konate était quelqu'un de plus proche à celui-là qu'il voulait qu'il vienne au pouvoir pour pouvoir toujours le manipuler, donc le professeur Alpha Condé, malgré ça, il voulait que le général Sekouba Konate ait aussi des problèmes pour que le, la transition ne puisse pas réussir, parce que pour lui, tant qu'il ne vient pas au pouvoir et c'est toujours resté comme ça, il n'est pas du tout tranquille. Euh, rappelez que c'est quelqu'un de très ethno. Et c'était un sécouturiste de plus. Donc, le seul régime avec lequel il n'a pas eu de problème, c'est le régime de Secutoré. Mais à l'époque, il était encore plus jeune. Continuant toujours, il est, il est resté à ce poste-là. Et ce n'est qu'en 2010, justement, quelques temps avant qu'il y ait le coup d'État, donc vers la fin du, du régime de, de Secouba donc la transition du CN, CNDD, qu'il a progressivement occupé des postes. Et le rôle qu'il avait joué justement sur cette tentative, de, de, de cet attentat contre la, le domicile de, de, de Monsieur Alpha Condé, à qui donc en 2000, 2011, qu'est-ce qui se passe C'est lui qui fomente justement ce coup d'État en instrumentalisant certaines personnes qui avaient des intentions justement de coup d'État. Il accélère cela. Dans quel dessin D'abord, pour avoir la confiance de M. Alpha Condé, mais aussi pour pouvoir activer son plan B. Son plan B, c'était quoi Ce jeune militaire qu'il avait connu dans ses déplacements et qui jouait encore le même rôle que lui ou qui est devenu justement un autre agent secret, je parle là de euh, Laïmamadi Doumbouya. Amadi Doumbouya, qui a la faveur d'une demande de, de, de document d'asile à partir de la, la Hollande, se retrouve en France et là, il épouse justement cette légion française, cette légion étrangère où il devient justement un agent amoureux de la France, qui est allé faire sa formation au niveau du Sénégal, dans certaines parties de l'Afrique, mais aussi euh, de, de, de l'Europe à l'époque, pour ne pas citer tous les pays où il est allé. Donc là, nous allons faire une pause pour maintenant aller sur le cas centrafricain. Jusqu'ici, vous avez suivi le parcours. Nous sommes venus jusqu'à parler de ces deux hommes-là. Le, 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 lui, euh, général Idi Amin, mais également euh, lui, euh, Mamadi Doumbouya. Le lien que les, les deux-là ont eu, donc la, la formation du de groupement des forces spéciales. C'est à ce niveau que nous allons faire une pause. Pour aller maintenant du côté de cette Centrafrique. La Centrafrique, vous connaissez, c'est ce pays qui s'appelait, euh, pendant la colonisation, euh, Oubanguichari. Oubanguichari, si je ne m'abuse, c'était le nom que le, cette, uh, cette portion de la terre euh, africaine avait. Euh, c'était une colonie française, comme la Guinée. Cette colonie française, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a d'abord en 1921 quelqu'un qui, euh, qui naît qui s'appelle Jean-Bédel Bokassa, qui est né de, 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 de deux parents, d'une de, famille polygame, on va dire. Dans cette famille polygame, son père est un chef de, de village ou un chef de, de quartier, on va dire, et qui a, qui était dévoué pour la cause de son, de sa, de sa terre, jusqu'à ce que finalement, un jour, l'armée française, donc le colon, décide de l'éliminer. À l'époque, Jean-Bédel Bokassa était très jeune, il était enfant. Euh, la même année, suite à l'assassinat de son père de manière très violente, sa mère, ne pouvant pas résister à ce choc, ne pouvant pas tenir le coup, euh, plus de dix bouches à nourrir, donc ce, ce, ce jeune garçon décide de s'enlever la vie. Donc Jean-Bédel Bokassa devient euh, à la fois orphelin de père et de mère. Et c'est justement à l'époque, euh, il y avait euh, trois options pour euh, ceux qui euh, étaient nés. C'était soit, nous parlons là de, de, de la période coloniale, bien sûr, donc il est né en 1921, donc juste après la Première Guerre mondiale, mais avant aussi la Deuxième Guerre mondiale son orphelin euh, se retrouve justement à se chercher. Et à l'époque, puisqu'il était enfant et maintenant devenu orphelin, dans des circonstances que, qui sont très déplorables, il n'y avait que trois choix. Soit il a une formation pour devenir enseignant, parce que le colon n'avait besoin que des enseignants pour que le français soit cette langue-là, pour qu'il puisse justement bien maîtriser ses euh, sujets mais aussi euh, la deuxième la deuxième option c'était euh, d'aller vers euh, vers le vers l'église et donc devenir euh, un, soit un prêtre soit un, un assistant de prêtre donc aussi propager la religion du colon qui était à l'époque le christianisme et la troisième option qui était celle qui a qui a qui selon les circonstances et selon la demande du moment qui était la plus attractive pour ceux qui voulaient avoir euh, plus de privilèges, c'était l'armée. Donc, euh, si la personne ne voulait aucune des trois options, la personne se retrouvait dans la précarité, dans la rue ou bien devenir tout simplement paysan. Donc, Louis-Jean Bedel Bokassa, orphelin, se retrouve d'abord à l'église où il est, euh, il est formé, pris en soin par cette église et euh, certaines informations nous disent qu'il voulait être prêtre. Sauf que, L'amour qu'il avait pour ce colon, l'amour qu'il a développé pour ce français a développé en lui une francophilie à tel point que il avait vu à chaque fois qu'il y avait des défilés militaires, il voyait ces militaires là dans leur uniforme, il voyait les, 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 justement les, les occidentaux à tel point qu'il a développé une certaine, euh, une certain, un certain comportement de, 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 de euh, J'essaie de trouver l'expression de de complexe d'infériorité. Donc, il ne se voyait qu'à l'image de ce colon. Et Effectivement, c'était ça, l'une des stratégies du colonisateur, c'était l'assimilation. C'était justement de vendre l'image de cette société civilisée, de cet homme qu'il fallait imiter. Donc, Louis Jean Bedel, euh, il avait poussé son amour pour ce colonisateur à tel point de vouloir justement rejoindre l'armée. Et à l'époque, comme j'ai dit, entre 1921 et 1940, donc quand il avait ses 20 ans, donc un jeune adolescent qui a, qui a embrassé justement cette carrière de militaire et s'est enrôlé dans l'armée française. Mais pour s'enrôler dans l'armée française, c'est important comme détail, il est rentré dans l'armée comme tirailleur. On est en train de parler des tirailleurs sénégalais, mais il y a, un, il y a une chose, il y a une nuance qu'il faut apporter. Ça a été appelé « tirailleurs sénégalais », mais en réalité, les tout premiers tirailleurs, d'après les livres, ce sont des tirailleurs tchadiens. Donc, l'armée africaine a roulé sous la bannière française, c'était sous la, la, le contingent tchadien. Et le Tchad, pour situer géographiquement, la, la Centrafrique se trouve en dessous de ces pays du Sahel, donc le Tchad, le Soudan, euh, même la, 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 la Libye mais aussi à côté de, du Cameroun et certains pays que vous connaissez qui étaient aussi instables. Et l'autre détail aussi qu'il fallait, qu fallait aussi ajouter, c'est que cette, cette, cette petite portion de terre à l'époque qui était plus affiliée au Congo, et d'ailleurs le Congo aussi qui subissait une certaine instabilité, euh, cette petite et le Niger qui sont aussi juste à côté, cette portion n'était pas du tout une portion très considérée, mais sa position géographique, c'est qu'elle avait comme un potentiel en termes de. de de, de, de population intéressée aux colonisateurs. Donc voilà pourquoi, sous la bannière des Tchadiens, lui, il a intégré l'armée et il a bénéficié de ce qu'on appelait à l'époque une bourse, une formation à l'étranger. Donc il s'est retrouvé en France euh, pour combattre justement euh, au compte de la France euh, contre, euh, contre ses adversaires. Et vous avez certainement entendu de la guerre d'Indochine. Cette Indochine. Qui est devenu plus tard, si je ne m'abuse, le Vietnam, cette guerre d'Indochine, comme on a dit, Indochine, qui était soutenue par la Chine. Et comme aujourd'hui, la, était, était, la Chine était à l'époque l'opposé de, 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 de la société de, 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 des Occidentaux. Donc, il y avait une certaine opposition entre les deux. Et donc, lui, il a développé non seulement un amour fort pour la France, mais un dédain pour la Chine qu'il combattait. Et lorsque, justement, il est allé en Chine pour faire le lien avec la pause que nous avons faite concernant lui, Mamadi Dumbuya, la Légion française, lui aussi, Jean-Bédel Bokassa, il a été légionnaire qui est allé en Indochine et pendant sa, 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 sa son, son opération, la guerre qu'il était en train de mener en Indochine, il a développé des liens, il a fait des preuves jusqu'à avoir une décoration allant jusqu'à la décoration de légion d'honneur. Donc, il a eu des décorations qui ont fait de lui. Donc, voilà, c'est ça. Quelqu'un donne, excusez-moi, quelqu'un donne la précision que l'Indochine, c'est le Vietnam, Cambodge et Laos. Donc, c'est plus grand que ce que d'ailleurs, moi, je pensais. Merci beaucoup pour cette précision. Ce que j'aime dans l'interactivité. Donc, lui, pendant son service militaire, en tant que français, pas en tant que cent africain, ni en tant qu'africain. Il a exercé en tant que Français et donc la même façon que Mamadi Doumbouya qui était dans la Légion française, dans la Légion étrangère. C'est important de souligner ce lien parce que vous allez comprendre pourquoi et comment nous allons combattre C'est que... La France est en train de commettre comme erreur en ce moment parce qu'elle n'apprend pas de l'histoire. Justement, puisqu'elle fait exprès de ne pas apprendre de l'histoire, nous aussi, nous allons faire exprès de rappeler cette histoire et engager les responsabilités parce qu'il ne faudrait pas attendre plus tard pour qu'un président vienne s'excuser et dire que ce sont des erreurs qui ont été commises et qu'au nom de la France ou au nom de telle valeur ou telle valeur, nous voulons nous excuser. Nous devons ressortir les mistakes qui ont été faits à l'époque. En ce moment, pour ne pas que les mêmes erreurs soient répétées. Sinon, ça devient en réalité une répétition et ça devient sciemment fait. Nous n'allons pas l'accepter. Donc lui, Jean-Bédel Bokassa, qui a nourri, qui nourrissait une haine contre la Chine, qui l'a traité même de cancer à l'époque, et, 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 et en même temps, il, 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 il exprimait cet amour qu'il avait pour la France. Il rentre de cette mission-là où il a tissé des liens avec justement il a il a il a il a, il a obtenu des privilèges. Nous parlons là de l'année 1946 entre 1946-1947. Donc vous voyez bien qu'il y avait eu l'incident de Caroué donc en 1944 où des légionnaires ou des ou des tirailleurs sénégalais rentrés après la bataille et qui avaient fait leurs preuves qui ont demandé à avoir une récompense avant même la fin officielle de la guerre mais qui ont été récompensés par des tirs. Il y a eu une trentaine, voire une centaine de, de, de tirailleurs sénégalais qui ont été massacrés. Donc, il y a eu cette catégorisation des agents, ceux-là qui veulent justement réclamer leurs droits après avoir vu que l'occidental, que ce colonisateur, il est vulnérable, qu'il n'est pas aussi fort qu'on le pensait et que l'armée, justement, les occidentaux, c'est des droits et qui ont estimé qu'ils ont mouillé le moyeu. Mais comme récompense, qu'est-ce qu'on fait Ils ont réclamé leurs droits, c'est de tirer sur eux. En, pendant ce temps, lui, jean Bokassa était en train de gravir des gestions au sein de cette même armée qui était en train de tuer ses frères, cette même armée qui avait assassiné son père, cette même armée qui avait arrolé de force dans cette armée-là avant qu'il ne développe justement cet amour pour défendre une autre patrie, une patrie autre que la sienne. C'est extrêmement important à ce niveau-là pour que vous compreniez l'état mental de cette personne-là et en même temps faire une certaine transposition sur lui Mamadi Doumbouya, quel est l'état d'âme de Mamadi Doumbouya, quel est le caractère de ce Mamadi Doumbouya, parce que les profils des deux sont les mêmes et leur parcours pour venir au pouvoir et leurs agissements sont également les mêmes. Avant donc que les choses ne dégénèrent, il faut que les choses soient connues maintenant pour prévenir. Donc Louis-Jambedel, entre 1946 et 1947, il développe son carnet. Et comme récompense, lorsque les pays africains ont commencé à demander leur indépendance après les deux guerres, et pendant qu'il y avait des crises dans certaines puissances qui étaient très essoufflées suite à la guerre, donc, nous entrons là dans la période des indépendances, donc dans les années 50, les années des indépendances. Donc, l'exception n'est pas faite, la Guinée obtient son indépendance en 1958, bon gré, mal gré, et c'est le même vent qui va souffler dans les pays euh, africains, que ce soit à de l'ouest vers l'est. Et la Centrafrique n'a pas fait exception à ça, et, et le premier, a justement, Emboîter le pas de la Guinée, c'est également une certaine élite qui était allée à l'école, qui s'était formée, qui avait, contrairement à ceux qui avaient choisi l'option militaire, qui ont choisi d'être tout simplement des intellectuels restés dans les rangs civils. Donc, parmi ce groupe, il y a un certain Barthélémy Boganda, un certain Barthélémy Boganda, qui décide, lui,

il d'abord, il écrit la constitution centrafricaine qui s'appelait à l'époque toujours euh, Obangui-Chari, et là il, il fait aussi l'hymne national de son pays, ce qui lui vaut le titre de ce père fondateur de cette Centrafrique. Mais toujours, il faut souligner que la Centrafrique n'avait pas obtenu son indépendance, mais a manifesté le désir, et la France semblait justement accepter cela sous le général de Gaulle, qui avait dit au pays qui voulait l'indépendance qu'il pouvait la prendre comme il avait fait pour le de la guinée donc qu'est ce qui se passe là c'est extrêmement important lui le monsieur là prenant une certaine aura et voulant montrer une rupture totale entre son pays et l'ancien colonisateur subit un jour un accident d'avion dans des circonstances très difficiles à déterminer d'aucuns disent que c'était un accident mais certaines sources aussi disent que ça a été une élimination parce qu'il devenait très gênant et c'était la mode à l'époque toute personne qui a devenu gênante, c'était un accident qui se produisait puisque les avions, c'était pas quelque chose de très sécuritaire à l'époque. On disait que bon, il y a eu accident d'avion. Retenez très bien cet accident d'avion parce que nous allons parler de trois accidents d'avion dans ce live-là si toutefois le temps me le permet. Donc lui, il décède, si je ne m'abuse, c'était au mois de mars 1959. Et quand il décède après avoir fait cette démarche de 1958 à 1959, donc plus d'une année, il était à la tête, il était en train de former ce futur gouvernement où il y avait un premier ministre, il y avait des ministres justement locaux, mais qui continuaient toujours d'officier sous, sous la tutelle de, 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 de la métropole française. Donc lui qui était en train de conduire son pays vers cette autonomie est victime de cet accident et donc c'était la question. De, 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 de succession. Légalement, puisqu'il a un premier ministre, la logique voudrait que ce soit son premier ministre. Son premier ministre qui s'appelait à l'époque un certain euh, Abdel, uh, Abdel Gumba. Abdel Goumba est issu d'une ethnie dont je ne vais pas parler ici, mais retenez très bien le nom que j'ai donné. Donc, vous entendez par Abdel un nom musulman et vous connaissez très bien au niveau de la Centrafrique quelles sont les ethnies qui sont des ethnies musulmanes. Et lui, Monsieur Barthélémy euh, Bouganda, est d'une ethnie qui est qui va être plus tard. Vous allez comprendre il est de quelle ethnie parce que nous allons parler de la succession. Au niveau de la succession, il y avait lui, mais il y avait aussi un certain ministre de l'intérieur à l'époque, euh, ministre de l'intérieur justement et de la sécurité, un certain euh, David euh, David Bako. David Bako, si je ne m'abuse. Attendez, je vais bien regarder. Euh, euh, mais notre, euh, oui, c'est David Bako. Ce David Bako était le ministre de l'Intérieur et le premier ministre, logiquement, le successeur de ce, de ce Barthélémy, c'était le Abdel Goumba. Mais puisque Abdel Goumba était de la même philosophie, était du même courant, était de la même, euh, de la même position que son, que son prédécesseur qui est décédé dans ce, dans ce, dans cet accident d'avion, euh, C'est-à-dire euh, le nommer euh, Barthélémy. Donc, la France a eu peur que ce soit lui qui vienne. Voilà pourquoi la thèse de l'élimination encore puisse avoir plus de sens parce que il fallait justement. Couper net ce talent d'indépendance qui était en train de se faire. Et à l'époque, il faut souligner que on n'avait pas découvert les recherches de, du sous-sol, euh, comme c'est le cas actuellement de cette de trafic. Tout ce qu'on savait, c'est que la terre avait une forêt, donc il y avait l'exploitation forestière qui était euh, impotentielle, comme c'était le cas aussi du Gabon, comme c'était aussi le cas du de, de Togo, ainsi de suite, mais aussi il y avait du diamant qui était connu dans le pays. À l'époque aussi, les diamants, c'était très convoité. Mais il y avait d'autres ressources du sous-sol, comme le pétrole, comme l'uranium, qui n'étaient pas encore découverts, ou bien que même s'ils si étaient découverts, mais ils n'étaient pas officiellement reconnus pour le pays, parce qu'il ne fallait pas aussi que certains. Voilà, David Dako. Oui, merci beaucoup. C'est David Dako. Merci beaucoup. C'est pas Bako. Amadou Diari Diallo me corrige que c'est Dako, mais pas Bako. Merci beaucoup. Donc, continuons la narration. C'est important. Les notes, c'est difficile pour quelqu'un qui ne. Parce que je ne veux pas regarder mes notes. Je vais me rappeler de ce que j'ai comme information et vous la donner. Donc, vous voudrez bien m'excuser. Les erreurs et les dérapages ou les, les mélanges qui sont en train de se faire. Comprenez que c'est humain. Donc, David Dako, qui était le premier ministre plutôt que d'être le premier ministre et son Abel. Certains disent Abel Goumba, certains disent Abdel Goumba. Mais toujours est-il que son Abdel Goumba, très instruit, très civil et très patriote, était proche du courant du parti décédé dans cet accident d'avion. Mais la France ayant déjà son élément, ou lui, David Dako, voyant ce qui est arrivé à son successeur, décide lui de jouer le jeu de la France. Voilà pourquoi la France s'arrange à ce que lui, le, premier, le, 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 le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, contre le choix et la loi centrafricaine, c'est lui qu'on soutient pour venir au pouvoir. Faisons-là une pause. Allons en 2010. Pour rappeler que lorsqu'il y a eu les élections de 2010, un certain c'est Dalin était plus proche à l'époque du pouvoir pour avoir été le premier sur 24 candidats, pour avoir enregistré le score qu'il avait enregistré. Mais la France avait déjà son candidat. Et je précise ici, il ne faut pas de faire de précipitation, je suis en train de raconter des faits, à vous de faire votre interprétation, et mes collaborateurs, mes amis ou mes, 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 mes concitoyens du RPG ou les amoureux de M. Alpha Condé, qu'ils m'excuse de ce que je suis en train de donner comme information. Et qu'ils gardent les inimitiés pour plus tard. Je suis en train d'expliquer et ressortir quelque chose qu'ils doivent regarder, qu'ils écoutent ce que je dis, qu'ils ne recordent pas ce que, c'est lui qui est en train de dire ce qui est en train, de, ce qui est en train d'être dit. Donc là, en 2010, à peu près le même scénario. Le pouvoir était plus pressenti pour quelqu'un qui a obtenu sur 24 candidats le chiffre qu'il avait obtenu à l'époque mais puisque la France avait déjà son candidat et qui voulait soutenir logiquement c'est lui qui est citoyen français et c'est lui qui a souvent été en France et qui a qui a qui a aussi beaucoup collaboré avec la France pour avoir été se euh, réfugié à l'époque en France qui avait même servi comme euh, enseignant dans des universités et donc qui a des amis euh, dans les hautes sphères de la France à l'époque monsieur Alpha Condé la même chose qui s'est faite en 2010, c'était cette même chose qui s'était faite en 1959 dans un pays qui s'appelle la Centrafrique. Donc, euh, le jour de l'indépendance proclamée, parce que, comme j'ai dit, l'indépendance était là. On avait donné la latitude aux Centrafricains de former un gouvernement, mais c'était une indépendance partielle. L'indépendance totale telle que prescrite pour dire que à partir de cette date-là officiellement la Centrafrique est indépendante, c'est sous justement l'égide de ce David Dako qui est un, sous, est, un, euh, est un protégé de la France que la France mettra à la tête au détriment de ce nommé Abdel Goumba. Abdel Goumba connaîtra le sort qu'il connaîtra, il sera mis en prison, il sera mis en exil, et puis, finalement, le monsieur mourra plus tard de d'autres circonstances, mais en tout cas, sans atteindre à l'époque l'objectif qu'il voulait. Plus tard, il gravira des gestions pour être même premier ministre, mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'à l'époque où il était pressenti pour être le président de la première, de cette nouvelle patrie, de, cette, de ce nouveau pays africain, ne sera pas le président, c'est euh, son premier ministre, c'est son ministre de l'Intérieur qui sera euh, président donc de 1959 jusqu'à 1966. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps Lorsque la, 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 la Centrafrique a obtenu son indépendance, donc euh, il y a eu justement ce légionnaire pour revenir à lui, Jean-Bédel Bokassa, qui avait fini de servir son pays, la France, et qui est toujours français jusqu'à 1900 euh, jusqu'à 1960 euh, jusqu'à 1962 pour être plus exact en 1962 il est ramené après l'indépendance donc euh, après deux ans il est ramené dans le pays où son cousin euh, euh, que, son cousin Germain donc euh, le, le président euh, parce que les noms c'est un peu compliqué le président euh, David Dako et pré, et le président David Dako qui est le cousin, à Jean-Bédel Bocassa, son cousin germain, mais qui est civil. Mais puisque la France, en plus d'avoir ce agent civil, il voulait aussi avoir ce agent militaire. Parce que, pour, pour s'assurer de leur garantie, toujours avoir la même mise sur la Centrafrique, ils ne se sont pas contentés de de, de bloquer le choix des Centrafricains pour mettre leur homme, mais ils sont allés plus loin pour avoir aussi un militaire et ce militaire, le choix est tombé justement sur ce légionnaire là qui a montré cet amour plus que cet amour que qu avait exprimé Jean, euh, David Daco parce que David Daco c'était euh, en faveur de ce, de ce rapprochement et de cette soumission qu'il avait exprimé parce que le jour de sa prise de parole, de sa prise de fonction. Il avait dit qu'ils avaient l'indépendance, mais qu'ils ne pouvaient pas aussi se passer de l'ancienne métropole et donc qu'ils restent reconnaissants à cette métropole avec laquelle ils voulaient aller ou continuer les relations. Donc ça, c'était une allégeance. Est-ce que c'était pour crainte par crainte pour que le même sort que son prédécesseur ne lui arrive pas ou bien c'était tout simplement une stratégie pour charmer la France? Mais toujours est-il que... Pendant un certain temps, la France a décidé en 1962, donc trois ans après cette indépendance, de faire venir ce légionnaire. Et ce légionnaire, d'abord, était euh, détaché de la France comme formateur technique au niveau de l'armée, mais ils vont aussi imposer à, à Jean Dako. Que ce même militaire soit le chef d'état-major de l'armée qui était en train d'être construite. Donc, il forme cette armée de briques à broc, jusqu'à avoir justement cette armée-là. Mais qu'est-ce qu'il fait après sa rentrée en 1962 Il voit que le Jean Dacot, qui est venu, qui était le soutien de la France, et qui traversait des moments très difficiles parce que après l'indépendance, les caisses étaient vides. Le pays traversait des problèmes frontaliers parce que la région était instable. Au niveau de, du Tchad, il y a un renversement de régime. Au niveau de, 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 Niger, c'était renversement de régime. Au niveau du Congo, c'est renversement de régime. Au Congo, parlant justement de ça, c'est, c'est lui et Patrice Lumumba qui est assassiné. Puis, c'est Mobutu qui prend le pouvoir. Donc, il y avait cette cette crainte à l'image de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, les coups d'État au Mali, et chaque coup d'État, on est en train d'aller vers l'adversaire à l'époque, donc euh, le Burkina, le Mali et le Niger. À l'époque aussi, ce qui est en train de se passer là, à l'époque aussi, on craignait qu'à chaque coup d'État, qu'on renverse un homme favorable à la France, qu'on mette quelqu'un qui est défavorable, donc qui ira vers l'autre bloc. C'est extrêmement important que vous fassiez attention à ces détails-là pour comprendre Qu'est-ce qui s'est passé et que c'est l'histoire qui est en train de se répéter? Donc, qu'est-ce qui se passe? Lui, euh, David Daco. Qui est venu pour euh, avec le soutien de la France, mais qui voit que ce militaire-là qui est en train d'avoir une certaine popularité au sein de l'armée, qui est en train d'avoir des positions parfois qui euh, qui tranchent ou qui euh, qui ne cadre pas avec euh, certaines décisions qu'il est en train de faire. Pourtant, il est le, le président élu supposé, le président légitime. L'autre ne devait que s'occuper de l'armée. Il y a une certaine distance qui se crée entre les deux, mais une certaine rivalité. Mais l'homme fort reste toujours et à rappeler que c'est des cousins, donc c'est la famille. Donc l'homme fort reste lui Jean Daco, euh, David Daco plutôt, et euh, Jean-Bédel Bokassa reste chargé de l'armée. Jusqu'à ce que finalement, le monsieur qui espérait à ce que la France puisse l'aider, qui était en train de frapper à toutes les portes, aidez-nous, aidez-nous, mais à chaque fois qu'il tape à la porte, euh, l'ancienne métropole ne l'aide pas, il décide à un moment donné d'aller alors vers le concurrent, d'aller vers ce bloc qui est à l'opposé du bloc occidental. Ce n'est qu'en ce moment qu'il qu signera un contrat secret avec la Chine. Et vous vous rappelez bien, que louis Jean Bédel Bocassa, quand il était allé à la guerre d'Indochine, il avait exprimé une haine contre la Chine, mais un amour pour la France, pays qu'il était en train de défendre, normal. Et quand il s'est rendu compte que son cousin a signé un partenariat avec cette Chine à l'époque qui était en train de draguer les pays africains, la Guinée est une illustration, qu'est-ce qu'il fait Il rencontre à, sa, à, sa, à son hiérarchie, donc la France, attention. C'est lui que vous avez fait venir est allé signer un contrat avec la Chine parce qu'en même temps, le rôle qu'il jouait, c'était le rôle d'espion. Il rendait compte à son pays, donc avec sa double nationalité, il était plus en train de défendre les intérêts français que de défendre les intérêts centrafricains. Ce que nous sommes en train de dire là, c'est documenté. Vous pouvez retrouver ça dans des livres. Et comme j'ai dit, parce que déjà, nous avons fait quoi? Combien de minutes? Nous avons déjà fait une. Heure. Je pense que le live nous allons l'arrêter là pour ce qui concerne la version française et nous allons revenir avec la version peu.